Rachida Dati, ce qui me vexe le plus, c'est qu'on dise que j'ai couché avec tout le monde. L'ancienne garde des sceaux, proche de Nicolas Sarkozy, s'est confiée au Monde sur les rumeurs dont sa vie privée a fait l'objet. Rachida Dati, comme on l'a rarement vu élu, l'ancienne garde des sceaux a accordé une longue interview au Monde dans laquelle elle évoque pêle-mêle son passé de magistrate et de ministre de la Justice, ses relations pour le moins compliquées avec le premier cercle de Nicolas Sarkozy comme brise feu, et également sa vie privée, notamment la naissance de sa fille Zora. Ce qui me vexe le plus. C'est qu'on dise que j'ai couché avec tout le monde, qu'on fait Rachida Dati au duo d'investigateurs du quotidien du soir, Gérard Davey Fabrice L'Homme. Même Sarko, on a dit qu'on avait couché ensemble, mais c'est absurde. Depuis une dizaine d'années, et sa nomination, place Vendôme en 2007, Rachida Dati a fait la joie de la presse People. Et pas seulement. À la lecture de l'article du Monde, on apprend que les plus hautes sphères de l'État se sont penchées de près sur l'existence de Rachida Dati. En 2009, elle donne naissance à sa fille, Zora. L'identité du père de la fille est inconnue. Je n'avais rien dit parce que c'était ma vie, justifie la magistrate, presque dix ans après les faits. Ce qui les emmerde, c'est qu'ils ne savent pas avec qui je vis, je couche, s'amuse Rachida Dati à propos des proches de Nicolas Sarkozy. Placée sous écoute, elle menace de déposer plainte et obtient gain de cause. Finalement, la ministre découvre qu'elle est étroitement surveillée. La garde rapprochée de l'ancien président de la République aurait eu recours au service de renseignement pour découvrir l'identité du père de Zora. Que l'on découvrira plus tard comme étant l'homme d'affaires Dominique de Seigne. Ils ont envoyé des gens jusque dans les cliniques, pour connaître le père de ma fille, soutient-elle. Ce n'est qu'en 2010 que Rachida Dati découvre, grâce à la confidence d'un parlementaire, qu'elle est placée sous écoute. Menaçant de s'épancher dans les médias, notamment au micro de Jean-Michel Apathy sur RTL, elle demande à un avocat de réunir les éléments, pouvant constituer une plainte. Dans son bureau élyséen, Nicolas Sarkozy reculera finalement face à la menace du dépôt de plainte. Quelque temps après, Pierre Charon et Brice Hortefeux, ses meilleurs ennemis, seront démis de leurs fonctions à l'Élysée et au gouvernement.